Toute l'année, on mène plein d'actions de lutte contre les LGBT-phobies. On organise aussi la marche des fiertés tous les ans sur Tours, la seule de la région actuellement. Et tous les ans, on est aussi intégré à la programmation Désir-Désir au cours d'une soirée. Ce soir donc, pour voir ensemble Guerrieras, à l'aune des derniers sujets d'actualité, il semble que la question du genre, et non pas de la théorie du genre qui n'existe pas, pose beaucoup de questions et malheureusement encore beaucoup trop stigmatisées. On en fait un discours politique populiste bien trop souvent et réactionnaire aussi. Déjà, la notion de sexe, elle désigne des organes sexuels, c'est-à-dire une donnée biologique. La notion de genre est quant à elle adoptée pour désigner les catégories d'hommes et de femmes, c'est-à-dire les genres masculins et les genres féminins, le genre masculin et le genre féminin. Les personnes transidentitaires ou encore les personnes transgenres sont des personnes qui ne se vivent pas au fond d'elles-mêmes dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Et les transsexuels sont des personnes transgenres qui ont subi l'opération de changement du sexe. Et dans ce documentaire, on verra que parfois ce terme est aussi utilisé comme synonyme de transgenre. Quant au terme « identité de genre », il désigne l'expérience intime et personnelle de son genre, qu'elle correspond ou non au genre qui nous a été assigné à la naissance. Diffusée sur France 2, qui a porté sur le thème des transsexualités. Et de nombreuses émissions ont été comme elle, c'est-à-dire que cette émission s'est caractérisée par une uniformisation des parcours transidentitaires, une panoplie d'idées reçues, un voyeurisme déplacé et une adhésion au processus de psychiatrisation et à l'opération de changement de sexe, qu'elle a par ailleurs présenté comme des étapes obligées. Ainsi, le film qu'on vient de voir soulève non seulement des questions sur sa réalisation, comment penser un documentaire qui présente les transidentités de manière différente, mais aussi, et ce en raison de son intérêt pour le militantisme, sur le lien entre film et activisme. Comment le documentaire peut-il être un moyen de bousculer les stéréotypes et d'ouvrir le champ des possibles? Comment peut-il jouer un rôle en tant qu'outil politique? Ensuite, ce film s'inscrit dans le courant des études sur le genre qui correspond à un champ de recherche prenant pour objet les catégories de genre, de sexe et de sexualité, ainsi que leurs rapports sociaux, et s'interrogeant sur les pratiques de naturalisation.